Ma patte laisse des traces, ça c'est Amandine. Parle-moi de ça. Ma patte laisse des traces, c'est du coup le nom de mon entreprise d'illustration, de ma marque d'illustration. C'est la première fois que tu exposes avec nous aux artistes français ? Oui, tout à fait, c'est la première année que j'amène du coup un tableau ici. Alors parle-moi de ton tableau, qu'est-ce que c'est, quelle technique, pourquoi, le style, le genre, le sujet ? Alors le sujet c'est une montagne, un dessin de haute montagne et je dessine avec de l'encre de Chine, okay, au pinceau et puis au stylo. Okay. Et alors ça te prend beaucoup de temps pour faire ce dessin-là ? Alors ça va dépendre des formats, mais le dessin que j'ai amené cette semaine, c'est un dessin qui a dû me prendre une vingtaine d'heures à peu près. Donc c'est vraiment un travail de précision. Moi j'essaye qu'il y ait vraiment une ressemblance avec la vraie montagne. Donc c'est un dessin qui représente une montagne qui existe. Je me base d'après photo, donc je vais passer un long temps d'analyse de photographie pour vraiment analyser les reliefs et voir comment la représenter au mieux. Okay. Voilà. Bah, c'est génial. Je vais aller la prendre en photo, okay, et puis comme ça on la verra en apparition derrière toi, c'est la magie de la vidéo. Et bah, je te remercie Amandine et puis je te souhaite une super exposition. Tu attends beaucoup de visiteurs à ton avis, comme c'est la première fois, tu sais pas? J'en ai aucune idée, mais déjà j'adore rencontrer les artistes là, que j'ai pu déjà rencontrer, c'est vraiment très riche, une expérience très intéressante. Génial, merci Amandine. Merci beaucoup. Et voilà, coupé.